Paf. Voilà. Bon, bah voilà. Août commence. Ah tiens, il y a des nouvelles d'ailleurs. Et des coffres. Pas des coffres, des lots. Ah, si vous avez pas déjà fait... comment il s'appelle? Il y avait un lot spécial. Qui n'est plus là parce que je l'ai pris. Hein, qui coûtait 3500... 3500 lapis. Et qui donnait 10 tickets normaux plus un ticket 4 étoiles garanties. Un 10 plus 1, 3500. En plus d'autres trucs dedans, comme un ticket d'extension. Voilà. C'est à prendre, surtout qu'il y en avait 3. Donc pour le prix de 2, 10 plus 1, plus 500, eh ben on en avait 3. C'est pas mal. Oui, d'ailleurs, si je me plante... Bon, la fontaine de la piste, tout ça, c'est bien. Hein. Ouais. Alors, c'est compté comme non lu parce que... Bien, tout simplement, je viens de relancer les émulateurs et pendant les vacances, j'étais... sur mes téléphones. Ah, alors. Donc, FF8 apparemment. C'est ça. Voilà, FF8, Squall, Rinoa, Zell, Ramira. Du step-up. Ouais. Global Upgrade. Global Upgrade, c'est quoi? C'est sa Super Thrustmaster? Ah oui, c'est vrai. Ils commencent déjà 7 étoiles. Ouais, ils commencent déjà. Ils peuvent déjà être mis 7 étoiles. Déjà. Global Upgrade, True Double Hand, Keen Edge, d'accord. Bon, c'est bien. Ouais, alors donc, Squall, attaque 203, c'est surtout sa défense qui est là, bon. Je vois pas ce qu'un attaquant a à faire de sa défense. À moins qu'il ait des skills qui utilisent la défense. Bref. Hey Vikento, comment ça va? Ouais, c'est ça, le retour. Le retour. C'est juste un petit stream vite fait. ouais, j'ai retravaillé un petit peu la scène là vite fait, juste avant de lancer. J'espère que ça va. J'ai pas eu le temps, si, mais j'ai pas eu le matériel pour regarder tellement les streams pendant les vacances. Enfin, même si le temps non plus était pas terrible. Ah, le temps. La météo était bien, le temps libre moins. Et quand les streams que je regardais étaient souvent... comment dire, du 480p HE, enfin HE type buffer constant. Voilà quoi, c'était pas le top. Ouais, se couper du monde, oui. Puis c'était surtout l'occasion de se détendre en famille, de voir la famille, surtout. Ah là 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 là. Ah tiens, elle est oui c'est ça, double on magique. En trou double on magique. Eh
Hey, salut Nico, ça va? C'est ça, c'est le retour. Les retours. L'a pas encore appelé le retour. Voilà. D'ailleurs, faudrait que je m'en fasse un petit jingle, ça. Les plus vieux comprendront. Non, il n'y a pas de planning pour l'instant. Je viens d'arriver. Là, c'est vraiment le petit stream du retour. Voilà, je referai le planning après le stream. Enfin, dans la soirée. Et puis voilà. Et puis, le truc, c'est que là, je viens de manquer 6 heures de route. Plus une heure d'essayer de refignoler un petit peu des scènes pas terribles, terribles. Là, j'ai même pas mis le fond vert. Hein. Enfin, j'ai même pas mis le fond vert. Le fond vert est là, mais j'ai même pas mis la chroma key tellement j'en ai rien à foutre. Terrible. Donc. Ah oui, bah, comme d'habitude, le combattant à main nue qui a son attaque à fond quand il n'a pas d'armes. Sauf que bah ça suffit pas. Et puis la 3-5 étoiles. Ah! Mais sinon ouais, le planning ça sera fait. Ça sera fait tout à l'heure. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'ai vu qu'il y avait eu. C'était quoi la semaine. La semaine Gamers 9. Pour un anniversaire, je pense. Je crois que tu m'en avais parlé. Le truc, c'est que là. Je crois que j'ai vu passer des tweets. J'ai dû en retweeter un ou. Je sais plus. J'ai tellement plus de tête en ce moment. Ah là 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 là. Ah, l'examen CID, ouais. Petite quête de roi Mog, ça va être cool. Ça va être cool, histoire de se remettre un petit peu de tickets. Les notifications, ah! À partir de demain, après la maintenance, les éveils 7 étoiles apparaissent. Pop, tous les joueurs. Bon, d'accord. Pendant le mois d'août, tous les joueurs récupéreront un cadeau de 3 millions de guilds pour célébrer l'arrivée des 7 étoiles. Alors 3 millions de guilds, normalement c'est ce que coûte l'éveil d'un 7 étoiles. En plus hein, du matériau d'éveil, tout ça. Les pots, oui on pourra augmenter encore un peu plus avec les pots. La limite burst s'augmentera d'un niveau encore plus haut, normalement 30 au lieu de 25 actuellement sur les 6 étoiles. Et la trustability, ouais, une capacité qui sera activée si on lui équipe eh bien sa récompense de confiance absolue. On verra ce que ça donne. Moi, je voudrais voir ce que ça donne avec Orlando. Alors, voilà. On convertit une 5 étoiles de base en un cristal d'éveil et un cristal de Mog. Et bonjour, Human Defined. Comment ça va? Et l'éveil donc avec le cristal qu'on aura récupéré. Chaudement, moi aussi.
Surtout après 6 heures de route. Et bien sûr, récompense de super confiance absolue. Alors c'est bien. Et puis après, ils mettent le texte en anglais. Bon. Ils ont... Jean-Michel Godeneuf n'a pas encore eu le temps, sûrement, de faire sa trad. Bref. Les 7 étoiles. Alors, voilà. Les nouvelles super confiance absolue. Voilà. Sauf que pour ça, il faut avoir... Eh bien, la même unité, donc 5 étoiles de base, x2, pour récupérer la super TM de la 7 étoiles. Ouhouhou. Ou une unité déjà 7 étoiles, puisqu'il en faut 2 pour en faire une 7. Quoi qu'il en soit... C'est plus rentable de faire avec deux juste qui viennent d'être invoqués, 7 étoiles, 5 étoiles, et puis c'est bien. Alors, spécial bonus. Ah oui. Et bien sûr, on récupère un moque de confiance normalement. Semble. Ou pas, je sais plus. Enfin, si ils disent pour la première fois qu'on le fait, on récupère un MOC 50% pour 50% de STMR. Oh! Et ça fonctionne qu'une fois sur le même perso. D'accord. Ah, mais ça peut permettre de récupérer des super TMR sur... si tu peux faire deux super TMR de Darkfina, tu auras le MOG 50% qu'une seule fois. D'accord. Mais donc on récupère le MOG qui peut être utilisé pour n'importe quel parce que je vois Receive Trust Moggle All. Ah, pour les TM normal, d'accord, oui, je me disais c'était un peu fumé. Ouais, d'accord. D'accord, d'accord. Bon, c'est toujours un petit bonus, c'est cool. Ah, et les premières 7 étoiles. Donc Lightning, Cécile, Lunette, Orlando. Non, y a pas de mal, y a pas de mal, t'inquiète. On prend le temps de discuter, y a pas de soucis. Orlando, ah Orlando. En v'là que je vais monter vite fait en 7 étoiles. Permet d'updater TMR pour les persos que tu up en 7 étoiles sans avoir fait sa TM. Ben justement, Orlando, c'est pas sa TM à lui qui était prioritaire. Hein. On va pas se cacher. On va pas se le cacher. Mais ouais. À voir ce que lui permet d'avoir sa TM de base. Ouais, hein. Mais justement, en 7 étoiles, il y aura sûrement une utilité. Ça sera à voir. Delita, bon bah voilà. Ramza, Wilhelm. Darkfina, ce serait bien, sauf que je l'ai eu qu'une seule fois. Depuis le début du jeu. Orlando, s'équiper de sa TM. Plus 50% d'attaque. Augmentation de la LB. Bon, la limite burst. Elle n'est pas tout souvent utilisée.
Une AOE 3 tours stop, une AOE 3 tours moins 45 à moins 74% de défense, et soi-même 100% de recovery, et plus 30% d'attaque quand équipé de dual wield. Voilà, c'est un bon gros buff d'attaque. Ça va plus... ouais. Non mais ça va être bien, ça va être bien. Bon, c'est que le premier batch. C'est que le premier batch. On verra après pour... Moi j'attends aussi ces... Comment... Veritas des Ténèbres, même s'il vient seulement d'avoir... ça, comment... ces améliorations. Parce que mine de rien, j'en ai aussi. Ah oui, d'ailleurs, que je montre un petit peu ce que j'ai eu dernièrement, parce que avec tout ça, j'ai pas pu montrer vu que j'étais pas en stream. Ouais, voilà. Le comment le Reine éveillé sur le compte, ça c'est le compte principal, hein, donc Reine éveillé, Regen et Nicole, CG Nicole. Et puis, voir. Non, c'est pas ça. Et obtenu. J'ai obtenu que ça. Ah non. Pourquoi je vois pas mes médianas là? Trier par filtre. Ah oui, pourtant. Décroissant. Ah oui, mes groupes. Groupe d'abord. Et après, c'est hors groupe. Eh oui. Donc, oui, groupe d'abord. Ta. Et hors groupe, papa. Bon bah ça c'est du caca, ça. Les invocations journalières des fois, hein. C'est sympa. Donc, il y avait Bash que j'avais eu. Et puis, ah oui. Le Veritas des Flammes. Bon, voilà. Par contre, donc, oui, sur la secondaire, si j'arrive à voilà, changer de scène, paf. Donc, la secondaire, il y avait eu une deuxième Sakura, à un moment. Bah tiens, j'ai eu celui-là, Rodic. Ça servira pour sa TM, on va dire. TM gratos. Voilà, Mediana. Mediana x2. Et. Regen. Encore un Fallen. Alors là, Fallen, je pense que je pourrais bien le monter, hein, cette étoile comme il faut sur le compte secondaire. Zagarbas, bon bah je l'avais depuis un moment déjà. Tiens, on voit pas. Ah bah si, voilà. Voilà. Deuxième Veritas de lumière pour la 7 étoiles. Allez, on va retourner. Non, on va pas retourner. On va faire tout de suite nos invocations de retour. Parce que c'est le retour aujourd'hui. Ha ha ha. On fera aussi le 10 plus 1 avec 5 étoiles garanties. Parce que oui, pourquoi? Parce que les unités utilisées par ça, même si je le fais dans le futur, ça me donnera pas les nouvelles unités.
Je crois que c'était juste avant que ça apparaisse. Du 27 juillet maximum. Et or, il me semble. Or, unité limitée. Donc bon. Là, j'avais tout fait. Ah oui, si vous avez encore des tickets de campagne de la voix du joueur. Voilà. Hein. L'invocation 10 plus 1 gratuite x 4. Je crois qu'il n'y a pas de. Hein. On sait très bien que c'est ce qu'il faut prendre. Bref. Donc on a dit. C'est pas celle-là. Le retour. Les retours. On va faire ça. Ça c'est le compte secondaire hein, sur. C'est le compte sardine d'ailleurs. Faudra que je mette une image de sardine sur sur cette scène. Qu'est-ce qu'un compte sardine c'est un compte dauphin mais en moins bien. En moins bien. En moins riche encore. J'avoue que je suis un petit peu mitigé. Bon. Super retour. On est content. Bon après j'en avais que 26 hein, sur le compte là. Allez. Donc la clé du ticket 4 étoiles garantie. Ok. Et le 10 plus 1 avec la 5 étoiles garantie. Oh là là! Oh, un arc-en-ciel! Incroyable! Je n'y croyais plus! Ça se voit, le jeu d'acteur, waouh! Hein. Bref! Hey, Lila! Une deuxième Lila! Une Lila, 7 étoiles! Oui, bien, content. Ça, c'est pas mal pour les TM. Crow. C'est pas mal, c'est pas mal. Bien sûr, Shadow. Sinon, bah, on serait pas content. Bref. Ah oui, puis j'ai... oui. Ticket premium, ça, je les avais fait. Ah oui. Les tickets d'invocation du deuxième anniversaire. Donc ça faut les bouffer aussi. Hein. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Déjà les mog, voilà. Ça va servir pour certaines TM. Allez, on y croit. Parce que là, bon. Il y a des étoiles vachement. Des 3 étoiles vachement troll. Bon, là encore, l'ATM. Comment elle peut sortir deux fois? Sur le nombre d'unités qu'il y a? Sérieux?
Je sais pas, ils ont dû mettre un up dans les invocations des 3 étoiles inutiles. Que même l'ATM ne servira pas. Jidan encore bon. 2 armes, voilà. Allez, allez. Ah ! Un petit doré. Sosé. Ok. Paf paf, voilà. C'est vachement intéressant. Camille, bon. Cet élément va... Bon, sans être folle, va encore. Ah, un petit upgrade. Par contre, si ma connexion pouvait arrêter de mourir en poule, je serais... peut-être un peu plus satisfait, hein. Arrête de crever, connexion! Yang. Allez, le dernier. Et on pourra passer sur le... sur le compte principal. Ok. Je crois qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire là. Les invocations premium, voilà, il n'y en a plus. Et TQX, ça sera pas tout de suite, tout de suite. Allez, on se remet sur l'autre scène. Paf! Oui, si, c'est bon. Oui. Alors, le retour, non ? Si. Déjà le retour. Ah, les 30 tickets. Mine de rien. Sur le compte free to play. Surprise, dis donc. Ouais, pour les les combats pour les armes du zodiaque là, les combats à 10 persos uniques. Rydia, dont la limite burst eh bien enchaîne parfaitement avec celle de Sakura Sage des Fleurs, 40 hits avec le même intervalle de frame. Il y a juste le délai de démarrage qui est pas le même, mais ouais, là je suis content. Ah ouais. Ça c'est cool.
Faudrait que j'installe Twitter sur les émulateurs aussi. J'ai bien fait un petit partage de... voilà. Mais bon, c'est pas grave. C'est cool. Les trois que j'ai reçus ici. Ça m'étonnerait qu'il y ait un 5 étoiles là-dedans. Hein. Vu que j'en ai eu un juste avant, ça me donne encore moins de chance. Alors, bonne TM. Je sais plus ce qu'elle fait. Elle. Mouef TM. Et bonne TM. Bon. Ah, le 10 plus 1. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié. Paf. Pour Rigia. Allez, go! Oh là 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 là! Bon, là, je vais pas le refaire. Hein, le... ni mon sublime jeu d'acteur, ni la petite icône. Évidemment! Évidemment! J'ai eu une Rydia juste avant. Je me tape un Delita. Logique. Pas s'énerver. Pas de violence. C'est les vacances. Tranquille. Oui, ticket d'anniversaire. Parce que j'ai encore pas tout invoqué. Hein. Je suis sûr qu'ils ont mis un up sur les unités 3 étoiles. Je suis sûr. Gilbert quoi, Gilbert. Ah, oh, c'est terrible. Oi, oi, oi. Ça vend du rêve, hein. Savant du rêve. Si je vous parlais un peu de mes vacances en passant. Enfin, de la fin de mes vacances plutôt. Parce que s'il y a eu des jours où je me reposais pas mal, il y a eu quand même souvent des... enfin, souvent. Ces derniers jours ont été assez musclés. Entre... le petit passage comment, au parc d'attractions avec les neveux et nièces. Alors le parc en lui-même c'était sympa, par contre les jeunes... fallait quand même un peu les gérer.
Et je crois que j'ai de moins en moins l'âge pour faire ces attractions. Je suis déjà malade en ascenseur, alors tout ce qui est attraction un peu... comment dirais-je... un petit peu piquante. J'ai... comment dire... je deviens crispé dessus... comme un chat à qui on marche sur la queue, quoi. Bon, voilà. Alors, c'était bien cool ces invocations nulles. On va juste faire l'invocation des fois que. Des fois que y ait une unité intéressante de la bannière limitée. Allez, file-moi une unité de Star Ocean. S'il te plaît. Je suis même pas sûr que j'en ai une. Bon, de toute façon, on cramera quelques tickets vendredi pour ça. On cramera quelques tickets pour la bannière FF8. Voilà. Allez, paf. Là, par contre, j'en ai. Bon, c'est pas le mieux, hein, mais pour avoir les TM gratos, voilà quoi. Pas gratos. On va voir. On va voir. On va voir si elles seront gratos. C'est pas dit. Du coup, moi je vais m'arrêter là, je vais manger, je vais retravailler un petit peu les scènes, refaire le planning, tout ça, remettre au propre. M'endormir sur mon clavier, me réveiller, aller au lit, tout ça. Bref, à bientôt. N'hésitez pas à venir sur le Discord. N'hésitez pas à aller voir les VOD. Surtout si vous aimez les longues VOD sur des JRPG. Voilà. Amusez-vous bien. Ciao ciao, des bisous. Et à vendredi, déjà demain. Pour... c'est quoi demain? C'est jeudi, ça sera du... Dragon Quest Builders, faut que je continue. Et vendredi, eh bien, on verra. Il y aura déjà ça pour faire les... comment... les invocations... hein, les cramages de tickets. Et j'espère que d'ici là, j'arriverai à streamer dans de bonnes conditions, qu'il n'y ait pas trop de pertes de frames, etc. Parce que là, des fois, je vois OBS qui part en live. Enfin, qui part en live, qui part en rouge, en qualité de connexion, et j'aime pas ça. Voilà. Allez, des bisous, ciao.